Chers pèlerins du diocèse de Tournai, car vous êtes des pèlerins aujourd'hui immobiles ou presque dans votre diocèse, faute de pouvoir vous déplacer, mais aussi quand vous venez à Lourdes. Ici, à l'accueil Marie-Saint-Fray de Lourdes, nous sommes là au service des uns et des autres, et tout particulièrement des plus fragiles, pour leur permettre d'accéder à Massabielle. Je vais essayer très rapidement de vous dire pourquoi et comment nous concevons ici notre mission d'Église. Nous sommes au service de l'Immaculée Conception. Nous sommes une année de l'Immaculée Conception. Mais à Lourdes, nous sommes toujours une année de l'Immaculée Conception. Cette année, c'est une année différente, puisque la maladie et la pandémie, de façon générale, interdisent aux plus fragiles de venir. Mais je vais essayer, par mon témoignage, au bout de quelques années ici de service à Lourdes, et parce que je suis né dans ce diocèse, de vous dire l'essentiel de ce que je crois devoir retenir et vivre à Lourdes, pour que là où vous êtes, vous puissiez, sans vous déplacer, faute de pouvoir le faire, le vivre une fois encore, ou une première fois, avant d'autres fois où vous pourrez venir vraiment. À Lourdes, la belle dame qui s'est adressée à la jeune fille qui était Bernadette et qui était une des plus fragiles, elle a dit elle-même, j'étais la dernière, la toute dernière, si on avait trouvé plus petit que moi, la Vierge l'aurait choisi plus tôt que moi. La belle dame dit, je suis l'Immaculée Conception. Elle dit, venez ici en procession. Elle dit, allez dire au prêtre de bâtir une chapelle. Et elle prononce en permanence et régulièrement, d'après ce que nous dit Bernadette, le mot miséricorde et surtout pénitence. Tout ça, c'est une seule et même chose. À Lourdes, nous vivons une piqûre de rappel de l'Évangile, dans ce qu'il a de plus primordial. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez relu récemment un Évangile en entier, celui de Marc, par exemple, et vous verrez, vous serez même surpris du nombre de personnes qui approchent le Christ pour eux-mêmes ou pour quelqu'un qui leur est cher et qui crient quelque chose qui leur monte de tout leur être, « Guéris-moi !» Et le Christ guérit et fait plus que ça, il pardonne. Et il inscrit ces personnes qui viennent à lui dans une nouvelle alliance, c'est-à-dire une recréation. L'Immaculée Conception, c'est précisément le début de la recréation. Puisque Dieu s'est choisi une mère absolument libre, vous entendez un chariot rouler, c'est normal parce que le service continue. Il s'est choisi une mère absolument libre, comme l'était le premier homme, la première femme créée par Dieu selon la Genèse. Elle était absolument libre, elle n'était pas prisonnière du péché de ses pères, de son orgueil, de ses angoisses et de ses peurs. Et lorsque Dieu s'adresse à elle à travers l'ange, pour lui dire qu'il souhaite s'incarner, elle lui pose une question de bon sens, hein, qui montre son totale liberté. Et c'est pour ça que nous savons qu'elle est immaculée. Elle n'est prisonnière d'aucun péché, d'aucune attache qui lui interdirait une relation absolument à égalité avec son Créateur. Elle lui dit « Comment cela se fera-t-il » Évidemment. Et elle entend la réponse de l'ange et elle lui fait confiance. Et là démarre une autre histoire de baptisés et de chrétiens aujourd'hui. Quand vous venez à Lourdes, vous vous inscrivez dans cette histoire. Vous demandez à guérir et vous êtes pardonné. Donc vous vivez l'Évangile. À Lourdes, nous ne sommes pas des chrétiens qui croyons parce qu'on nous l'a dit, nous sommes des chrétiens qui croyons parce que nous l'avons vu. Donc nous avons moins de mérite, nous dit l'Évangile, que les autres.
Oui, mais le monde a besoin de nous. Parce que nous, nous savons. Nous croyons parce que nous savons. Ici, dans cette maison, nous sommes des témoins permanents de cette grâce qui est répandue en surabondance. Et à l'accueil Notre-Dame, on dirait la même chose. Et au Salus Infirmorum, on dirait la même chose. Dans les hôtels aussi, où des malades vont, on dira la même chose. Nous ne sommes pas propriétaires de cela. Nous sommes ici à Lourdes au service de cela, à votre service. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que je vis, moi, comme directeur de cette maison, avec nos religieuses, qui elles-mêmes sont les successeurs de celles qui les ont précédées. Et ces sœurs des filles Notre-Dame des Douleurs, c'est leur nom canonique, sont vraiment les sœurs de la compassion, comme Marie qui reçoit le Christ mort au pied de la croix, mais qui pour autant ne désespère pas. D'ailleurs, elle nous le rend. Comme elle nous l'a donné, tout petit enfant, elle nous le rend crucifié. Et nous, ici, nous le recevons et nous vivons avec nous. Voilà. Là où vous êtes, je vous demande de vous poser ces questions fondamentales que nous nous posons tous cette année. Pourquoi Lourdes ? À quoi ça sert ? Est-ce vraiment utile ? Qu'est-ce qui fait que dans ce lieu, il se passe quelque chose qui nous construit, qui nous aide à vivre, à passer ces étapes ? Guéris-moi, si vous prononcez ces mots-là, ici en particulier, là, vous êtes comme ceux qui, du temps de la vie publique du Christ, il y a bientôt 2000 ans, venaient le voir. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être guéris, ils avaient entendu, et tout le monde avait entendu, qu'il avait des pouvoirs extraordinaires. Et ils découvraient beaucoup plus que cela. C'est toute la grâce que je vous souhaite de vivre à Tournai, là où vous êtes, et bientôt à Lourdes, quand vous pourrez y venir.